Panafricaine, parce que je veux vraiment assumer cette posture-là, parce que tout a déjà été dit. Je vous propose de faire un tonnerre d'applaudissements pour toutes les initiatives qui sont passées juste avant que je passe. Merci. Vraiment, c'est très très encourageant. Pourquoi je tenais à le faire? Parce que, alors, je suis pas sénégalais. Même si j'ai dit Nagadev tout à l'heure, mon Wolof n'est pas encore au niveau. Ok? Parce que je trouve que, vraiment, je dis encore merci à Sen Investissement d'avoir lancé cette initiative et remercie à mon frère Negamas de m'avoir invité. Parce que je trouve que c'est une révolution qu'on est en train d'accomplir, que cet événement est en train d'accomplir pour l'Afrique. J'aimerais bien que tous les autres pays fassent la même chose. Totalement. Parce que ça. Vraiment, vous l'avez déjà compris, mais je vais le répéter, d'accord? La bataille économique, aujourd'hui, elle est très, très, très influencée par la digitalisation. Ça, c'est... Et encore, on n'est qu'au Web 2. Aujourd'hui, on est au Web 2. Il y a le Web 3 qui arrive. Donc ça va être terrible. Si nous, on est en retard vis-à-vis de ces domaines-là, eh bien, le sous-développement de l'Afrique va continuer, va même s'accélérer. Donc, c'est pour ça que cet événement-là est un événement marquant. Ça va marquer, pour moi, ça va marquer l'avenir. Vraiment, si on suit toutes les doléances qui sont nées de cet événement, de toutes les initiatives magnifiques qui ont été présentées et qui méritent d'être soutenues. Vraiment jusqu'au bout. Bref, alors, donc, digitalisation, en fait, je passe rapidement parce que, revenons en arrière, voilà. Donc alors la signification de mon nom, Kalos, en fait, c'est mon nom de militant. Kalos, c'est un médunéter, un hiéroglyphique, ok? Le K, K-A. C'est le cas, c'est le symbole que j'ai mis à gauche, ça veut dire l'énergie vitale en fait, d'accord? Parce qu'il faut savoir que, déjà ça c'est pas un débat, hein, depuis Diop au Benga, l'Égypte antique c'est l'Afrique, hein, c'est l'Afrique noire. Nous on débat plus, voilà, il y a des autres qui sont pas d'accord, ça c'est leur problème, d'accord? L'Afrique est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique est aussi le berceau de la civilisation, ça il faut le préciser, d'accord? Si les autres se sont développés, c'est parce que, on va dire, les Grecs, c'était les élèves des Noirs africains, en fait. Donc, le peu de connaissances qu'ils ont héritées a suffi à construire tout ce qu'on voit aujourd'hui en Occident. Mais ça vient de chez nous, en vérité. Bon, bref, c'est pas le débat, c'est pas le sujet. J'aurai peut-être l'occasion de faire de conférence là-dessus. Alors, voilà, donc Kalos, c'est l'énergie vitale, parce que la civilisation égyptienne, elle concevait l'être humain selon 9 critères, il y a 9 entités. Aujourd'hui, on n'a que 3 entités, c'est le corps, l'âme et l'esprit. D'accord? Que vous soyez musulman, chrétien, c'est 3 entités, corps, âme et esprit. Et encore, bon, le corps, tout le monde sait ce que c'est, mais quand on commence à arriver à l'âme,
Là, c'est la philosophie. Là, ça commence à chauffer quand même. Esprit, c'est encore pire. Là, c'est ouf. Voilà, philosophie, religion, etc. C'est très complexe à comprendre. La tête commence à chauffer, la fumée commence à sortir de la tête. OK? Mais les Égyptiens, ils avaient 9 entités. C'est, voilà, c'est dire à quel niveau ils étaient très très hauts. On est vraiment tombé bas avec la colonisation. Donc, bref, une de ces entités, c'était l'énergie vitale, donc le Ka. Et l'Oz, c'est la ville où je suis né, au Gabon. Je viens du Gabon. Voilà. Donc, Ka l'Oz, c'est l'énergie vitale de la ville de l'Oz. C'est là où je suis né. Et si j'ai doublé les lettres, le K-A-A, Z-Z, c'est parce que, en fait, je me réclame de la culture hip-hop. Et dans la culture hip-hop, il y a 9 disciplines. Une des disciplines, c'est le tag, en fait, le graphe. OK? Bon, voilà. Et dans cette tradition, on avait souvent l'habitude de doubler les lettres pour chercher une sorte de symétrie, en fait. Vous voyez, Sola, il va mettre 2 A, Jazzmatas, etc., etc. C'est pour chercher une certaine symétrie. Donc, c'est la tradition du tag. Donc, c'est pour ça que j'ai doublé les A et les Z dans mon nom, en fait. C'est pour chercher une certaine symétrie. Donc, Kalos, voilà. Et professionnellement, je suis webmaster, c'est-à-dire je crée des sites web, et community manager. Community manager, c'est le professionnel des réseaux sociaux, en fait. D'accord? Et donc, j'ai créé ma société, que j'ai appelée Medutit. Je vais vous expliquer ça, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. Parce que, justement, je me suis dit, il faut que j'aide mes clients, en fait, mais bon, bref. Je donne la priorité aux entreprises financières qui sont dans l'esprit panafricain. C'est peut-être un peu de la discrimination, mais c'est de la discrimination positive. Parce que je me dis, si on ne sait pas qui on est, on continuera toujours à aller là où le colon, enfin bref, celui qui nous domine, veut nous amener en fait. Et ce n'est pas pertinent du tout. Je vois souvent certains entrepreneurs qui ont un discours du style, mais non, mais ça c'est trop dans le passé quoi. Mais non, les gens sont trop dans le passé, aujourd'hui, il faut se faire la thune, etc. Il faut faire de l'argent, etc. Ce discours-là, cher Anta Diop, d'accord, qui est mon leader vraiment, et je suis fier de parler au peuple sénégalais, parce que vous êtes le peuple de mon papa, cher Anta Diop, mon ancêtre méritant. Eh bien, merci. Eh bien, cher Anta Diop, dans son tout premier livre, en 1954, Nation et Agriculture, il avait déjà réglé cette question-là. D'accord? Dans la préface. Les gens qui résonnent en mode, oui, non, mais en fait, c'est trop dans le passé, il faut faire là. Il avait réglé leur compte, en fait. D'accord? Donc, ça, c'est des travers qui ralentissent, entre guillemets, notre développement. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, il y a des millionnaires en Afrique. Il y a des gens qui sont millionnaires en Afrique. Il y a même des milliardaires. Bon, alors, ils ont apporté quoi à l'Afrique ? Rien. À part financer les partis qui dictaturent en Afrique, etc., les ministres, voilà, ils font quoi de cet argent ? À part construire leur petit château, payer leurs 50 maîtresses, leur château pour leurs 50 maîtresses dans chaque ville du pays ou en diaspora, ça ne nous profite pas. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas la conscience historique africaine. Ils ne sont pas conscients. Donc ils font de leur argent n'importe quoi qui ne bénéficie pas à l'Afrique. D'où l'importance, vraiment, de la conscience africaine. Moi, je préfère privilégier les investisseurs, les gens dans l'économie, qui ont une conscience, qui savent où va aller leur argent, qui savent comment ils vont investir, que les gens qui courent juste après l'argent. Il faut se faire la thune. Ouais, c'est comme ça. En fait, des capitalistes à la peau noire. J'en ai fini. Des capitalistes à la peau noire. C'est pas ça qui est intéressant. Donc, en fait, juste, est-ce que tu peux aller... voilà, bon, c'est pas grave, c'est bon, ça c'est défini. Parce que là, il met la pression. Bon, voilà, en fait, j'ai eu le concept Medutit, en fait, parce que j'ai eu une réflexion en me disant, mais en fait, aujourd'hui, le texte, les gens ne lisent plus, d'accord? C'est plus l'image qui parle. Les gens préfèrent regarder une image ou un gif animé ou petite vidéo TikTok, d'accord? Ça parle plus aux gens, en fait. Ça parle surtout aux jeunes. Et il faut savoir que dans quelques générations, peut-être dans 30 ans, il y a la Terre entière, sur 5 humains, 3 seront africains.
Ça veut dire qu'on sera majoritaire, en fait, sur la planète Terre. D'accord ? Et la population la plus jeune, c'est la population africaine. Donc on sera les jeunes les plus nombreux sur Terre. Donc, si ces jeunes-là, on ne leur parle pas, en fait, on n'envoie pas le message de façon pertinente, parce qu'on néglige les outils de communication qui leur parlent, on fait une erreur. Or, aujourd'hui, c'est l'image qui parle. Donc, l'image qui parle. En médunité, en fait, ça veut dire médoutite, ça veut dire les paroles de l'image. Ok ? C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ma société. Juste rapidement, j'en ai fini. Et vous avez ma page Facebook et mon compte YouTube. La suite ? Voilà, j'en ai fini, j'en ai terminé. Juste 2 minutes. 2 secondes. Deux minutes. 2 secondes. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, la suite, il y a eu plein de révolutions qui ont fait qu'aujourd'hui, voilà. Donc, le but de ma société, c'est que aujourd'hui, les gens utilisent les réseaux sociaux et ils pensent connaître. Ouais, non, mais j'utilise TikTok, ouais, je connais, qu'est-ce que tu as à m'expliquer, machin. Mais en fait, c'est pas ça. Ma stratégie, c'est d'utiliser tous les réseaux sociaux, quel soit votre business. Donc, vous avez votre site internet qui est là, et chaque doigt représente un réseau social. Voilà. Je le connais depuis une dizaine d'années. Avec Mas, en fait, on est des panafricains conscients. Donc, c'est un frère gabonais. On est pris vraiment par le temps, et le défilé doit commencer, donc on s'excuse déjà pour Monsieur Omar Khan. Allez-y. Merci, Abbas, de m'avoir laissé la parole. Merci. En fait, moi, je suis complètement...